Je bénis le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Brethren, I bless the people of God in the name of Jesus. I love you so much. L'amour de Dieu. With the love of God. Il y a un amour particulier. And a special love. Alléluia. Amen. Je bénis tout le clergé. I bless the entire clergy. Et je rends grâce à Dieu à ma bishop chérie. And I thank the Lord for my darling bishop. Ainsi que je l'appelle affectueusement. My beautiful bishop that I call with love. Renouvelée. Pour la confiance renouvelée. With a renewed confidence. Et de me permettre de porter la parole. And who has permitted me to bring the word. Au merveilleux peuple de Dieu. To the wonderful people of God that you are. Alléluia. Amen. Vous êtes spécial. You are a special people. Dieu vous aime encore d'un amour particulier. And God loves you with a special kind of love. Chacun pour sa part. And everybody Il has his vous own. Aime tous. He loves you all. Sans distinction de sexe. Without any distinction religion, of sex, religion. Quel que soit qui tu es. Or whoever you are. Des petits enfants comme ils sont là. Little children like the ones we vous have there. Vous êtes les bienvenus. You are welcome. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous pouvez vous marcher you debout are welcome. Les enfants? So can you clap Dieu for the vous children? Aime. God Dieu loves vous you. Aime. God loves you. Dieu vous aime. God loves you. Dieu vous aime. God loves Amen. You. Amen. Est-ce que les petits enfants peuvent chanter avec moi? Can the Le little Seigneur children sing a with dit me? Un, deux, trois, chantons. Le Seigneur, laissez venir à moi les petits enfants. Encore une fois. Laissez venir à moi les petits enfants, si tu es petit, si tu es grand, si tu es vieux. Acclamez très fort pour Jésus et pour les Can enfants. Clap for the Lord Jesus and for the children. Que tu sois un enfant, que tu sois jeune, Whether que you tu are sois child, vieux, you are youth le Seigneur or an old person, et tu es venu dans sa présence, il you. Va te régénérer. And as you have come into his presence, he's going to regenerate you. Asseyez-vous sur vos démons, sur les problèmes, pendant que tu t'assois, ta May you sit on your demons and your problems. Au nom de... Amen. Nous prions, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments. Je prie, ô tendre Père, que ta grâce descende en ce lieu et visite une personne. Rencontre une personne. Que ton amour immense, ô Père de gloire, touche, embrasse une personne qui n'a jamais été embrassée, qui n'a jamais été aimée, qui n'a jamais senti ta présence en cette journée, qu'il sente ton amour dans son problème qu'il est en train de traverser. Ce n'est plus son problème, c'est le problème qui est en train de traverser que le diable a donné pour le nuire. Merci pour la communion fraternelle. Pendant que nous sommes dans une hyper, je prie que je m'efface afin que toi-même tu croisses en moi. Que tu mettes tes paroles, Seigneur mon Dieu, afin que ta parole qui descend, éternelle, que ma main l'accomplit dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu me couvres de l'ombre de ta main, que tu me caches dans ton carquois et que tu mettes seulement ce qu'il faut à la place qu'il faut. Merci pour ce peuple qui est venu te rencontrer parce qu'ils ont une visite, un rendez-vous spécial avec toi pour écouter ce que tu as mis dans notre cœur de leur transmettre. Merci, Père, parce qu'ils ont été bénis de toute forme de bénédiction. Si au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, que le Saint dise Amen. May the holy people Amen. Say amen. Amen. Bien-aimés, brethren, en cette journée, in this day, nous sommes heureux de partager avec vous un thème we are happy to share a que nous avons intitulé that we have entitled, La foi qui produit des miracles. Faith that produces miracles. Est-ce que tu peux dire avec moi la foi qui produit des miracles? Can you say with me faith that produces miracles? Je ne nous entends pas. I don't get you. Amen. Amen. La foi qui produit des miracles. Faith that produces miracles. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin,
Brethren, this morning, nous voulons nous adresser à vous, merveilleux peuple de Dieu. We want to talk to you, the wonderful people of God. C'est-à-dire les enfants de Dieu, meaning children of God, qui ont cru, qui en Jésus, who have believed in Jesus qui Christ, leur ont accepté comme Seigneur and et who have accepted him as their personal Lord and Savior. Il s'agirait donc de démontrer so it would be to demonstrate que that tout est possible à celui qui croit. Everything is possible for him who believes. C'est le livre de Marc chapitre 9. That's the book of Mark chapter 9. Qui nous le dit. Mark chapter 9 verse 23. Marc chapitre 9. Mark chapter 9 verse 23 nous dit. Verse 23 tells us tout that est possible all is possible à celui qui croit. For him who believes. C'est-à-dire aucune situation no situation ne peut être ne peut te dépasser. Can be above ne peut dépasser le Seigneur. Can be above the Lord. Si seulement tu as la foi. If only you have si faith. Si seulement tu crois. If only you believe. Ce sera le contraire. It will be the contrary. De celui-là. Of that other person. Qui. Who. Périt. Who perishes. Faute de connaissance. Because of ignorance. Parce qu'il est ignorant. Because he's ignorance. Que c'est un héritier. That. Amen. Amen. Qu'il est un héritier. That he is an heir. Amen. Amen. Qu'il est un héritier. That he is an heir. Il manque de connaissance. He is ignorant. Alors il lui est impossible. So it is impossible. Il lui est donc impossible. It is impossible for him de croire. To believe. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Because there is something that is not going il on a in besoin his life. De he needs knowledge. Il a besoin d'être enseigné. He needs to be taught. Il a besoin comme vous de venir vous s'asseoir. He needs like you to come and sit. Et de prendre des cours. And to take lessons. Or, yet, Dieu, God, se montre fidèle. Shows himself faithful. Il se montre très bon. And shows himself very il good. Il se montre juste. He proves himself pour very ceux qui just marchent selon to those who walk ses directives. According to his direction. Alléluia. Les chrétiens nous le savons. We know that Christians, comme nous sommes tous assis, as we are all seated nous here, croupissons dans un poids de dans des problèmes, we are just, dans des difficultés, we are under a weight of problems and difficulties, épreuves, trials, malgré le fait que despite the fact nous that venons à l'église, we come to church, malgré le fait que despite the fact Dieu that nous a donné ses promesses, God has given us his promises. Amen. Amen. Alors, so, je crois qu'il y a un problème. I think that there's a problem. Il y a un problème. There is a problem. Malgré dans ces promesses, despite these promises, la solution semble inexistante. There seems to be no solution. Peut-être à cause des maladies. Maybe because of sickness. À cause des épreuves. Because of trials. À cause du célibat. Because of celibacy. L'instabilité. Instability. Le manque. À cause du besoin. Because of need. Le manque de santé, bien aimé, tu es malade. You don't have health because you're sick. On te dit, tu es béni, tu es guéri. You see, you are blessed, you are healed. Pour ceux qui sont des incrédules, for those who are, pensent que cela are human beings, impossible. They hard-heartedly think that it is impossible. Yet, Dieu, God, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. I have good news to announce to you. Dieu, God, peut pourtant changer cette situation. Can change that situation. Dieu peut pourtant changer cette situation. God can change that situation. Je veux même parler au présent parce que la foi c'est maintenant. I'm going to speak in the present because Dieu faith va changer is now. Cette situation. God will change that situation. Dieu est en train de changer God cette situation. Is changing that je situation. Dis Dieu change cette situation God maintenant. Is changing that situation right now. Seulement if only seulement if only si tu crois if you believe que cela est possible that it is possible. Si tu crois que cela est faisable, if you believe that it can happen, si tu acceptes, if you accept que Jésus, that Jesus entre dans ton cœur, can enter your heart, qu'il vienne vivre avec toi that dans he ton should come and live with you in your heart, qu'il fasse sa demeure dans ton cœur, and make of your his your heart his dwelling place, qu'il chemine avec toi dans ta vie, and walk with you in your life. Ce n'est qu'à ce moment-là, it is only at that moment cela te sera possible. That it will be possible. Je dis, tu n'as pas encore vu. I'm saying that you have not seen yet. Mais une seule condition. You have not seen it in just one solution. Jésus couler en toi. And if you don't see Jesus flowing in you. Amen. Amen. Tu as besoin d'avoir une foi you très, need très forte. To have a very strong faith. Une foi très très efficace. A very efficient faith. Une foi qui surpasse
toute connaissance. A faith that is beyond all understanding. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que tu crois. God needs that you believe. Crois seulement. Just believe. Ne discute même pas. Don't argue. Tu es guéri. Oui, je reçois la guérison yes, au nom de Jésus. I receive my healing in the tu name of Jesus. Tu es béni. You are blessed. Je reçois la bénédiction I receive my blessing au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alors, so, cela nous a amené à nous poser une question. And this made us to ask these questions. De savoir, to know, que nous manque-t-il donc? What does it show us? Que nous manque-t-il donc? What does it show pour us? Pour voir le surnaturel divin. Why is it that the divine se supernatural manifester en nous? Why? Que faut-il donc? Okay, so what do we need for the pour divine supernatural divin to manifest in us? Se manifester en nous. Se manifester dans nos vies. For the divine supernatural to be manifested c'est la in our lives. Que nous nous posons that's d'abord the question we are asking ourselves first. Si de prime abord nous savons que tout est possible. If first of all we know that all is possible. À celui qui croit. To him who believes. Amen. Amen. Nous sommes pendant que nous étions en train de réfléchir sur cette question. While we were thinking about this nous question, avons compris. We understood que that tout tourne autour de la everything de turns la foi. Around faith. Que la foi était ce catalyseur. That faith was that booster. C'était ce catalyseur. It was that booster. C'était cette vertu. It was that virtue. Qui nous permettait that permits us d'expérimenter le surnaturel to experience divin the divine supernatural dans nos vies. In our que lives. Quelqu'un dit may somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Tu as besoin de la foi. You need faith. Pour voir le supernatural. To see the supernatural. Divin. The divine supernatural acting dans les situations in compliquées your situations, in the complicated situations of your life. Alors, dans le livre de Hébreux, so in the book of Hebrews, chapitre 11, Hebrews chapter 11, verset 1, verse 1, babine technique, la Bible dit, the Bible says, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. So faith is a firm assurance of the things we don't know and a demonstration of what we do not see. Et si quand nous voyons ce paragraphe, so when we see this verse, nous constatons que we understand that la foi faith, nous manquons de fermeté. We lack nous manquons d'assurance. We lack firmness and assurance. Nous manquons de fermeté. We lack firmness and nous manquons d'assurance. And assurance. Nous voulons être comme des Thomas. We want to be like the Thomases. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, nous avons constaté que we realize that les hommes, men, et les femmes comme nous, and women like us, amen. Amen. Qui possédait une vision who had visions, spiritual visions, excellent, and excellent visions, supportait le propre, where bore the people, supportait les propres, they bore, supportait le okay, propre, they bore difficulties, les problèmes, les difficultés, ils supportaient problems cela, and difficulties, they bore pourquoi? Difficulties, why? Pourquoi est-ce qu'ils supportaient l'opprobre? Why were they bearing these difficulties? Parce qu'ils rendaient réelles because they were real. Les choses qu'on espérait comme la possédant. Amen. They were seeing as if the things they were hoping for were already c'est-à-dire possessed. C'est-à-dire se disaient. It means ok, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Faith is a firm assurance of the things donc, we hope donc les choses auxquelles ils espéraient so the things they were hoping ils for rendaient they were making those things pendant real. Ces choses and while dans leur they were esprit, making these things real in their ils spirit, pouvaient voir ces choses they could se see manifester. These things manifesting. Ils se rendaient compte qu'ils possédaient déjà and la chose. They realized that they were already ils possessing possédaient these déjà things. La chose. They were already possessing those et things. Toi aussi, and you too. Si tu te comportes comme ces gens, if you behave like those ils people, n'ont pas perdu la vision. They have not lost the vision. Ils n'ont pas perdu la foi. They have not lost faith. Ils n'ont pas été ébranlés. They were not broken. Mais ils considéraient les choses qu'ils espéraient but they were considering the things they were hoping comme réelles for, as real things. Et pendant qu'ils les considéraient and while they were considering ils them pouvaient déjà les voir they could then see de façon visible in a de physical façon palpable and in a palpable et la chose way. Était matérialisée and the thing est-ce que became tu peux prier alléluia can you shout hallelujah alléluia amen ils possédaient cette chose they were possessing these things c'est la foi qui produit it is faith that produces miracles c'est la foi qui produit le miracle. It is faith that produces miracles. Est-ce qu'ils ont vu cette chose? Did they see these things? Ils ont seulement eu
Ils ont, c'est-à-dire, ils ont dit, ils ont espéré contre toute espérance. They just hoped against all hope. They believed. Celui en qui? In him. Ils ont fait confiance. In him that they put their confidence. Alors la foi, so faith, est une manifestation. Is a manifestation. Évidente de la réalité. And of reality, it's an evident manifestation of reality. And a benefit. Spirituel. And a spiritual benefit. Amen. Amen. J'ai cru que tu allais dire amen. I thought somebody would say amen. Bien-aimé, c'est des choses quand on les parle. Que nous sommes des fous. Brethren, when we talk about these things, they can think we are mad. It's only those who are spiritual that understand these things. De Dieu qui comprennent only children of God can understand these things. La foi, faith, c'est une confiance. It's confidence. En la fidélité de Dieu. In the faithfulness of God. C'est une confiance. It is confidence. En la fidélité in the de faithfulness Dieu. Of God. Parce que ma Bible me dit. Because my Bible tells me. Il est juste. He is just. Pour ceux qui sont justes. For the just. Il est pur. He shows pour himself ceux qui sont purs, to the righteous. Mais pour les pervers, but for the unrighteous, selon leur perversité. He acts according vous to their unrighteousness. And would you say il that the Bible contradicts itself? Parce que c'est le Dieu de toute justice. He is just to because he's a God of justice. La foi, faith, est une conviction. It's a conviction. Que ce que Dieu dit, that what God says, il ce que Dieu dit, what God says, est vrai. Is true. Ce qu'il déclare, what he declares, il l'accomplit. It shall come to pass. Il l'accomplit main de ses serviteurs. He will accomplish it through his servants. Let somebody say with me, hey, Yahweh. Hallelujah. Amen. Bien-aimé, quand on parle de foi, brethren, in your faith, elle trouve son fondement. Your faith needs to find its foundation. Dans deux choses. In two things. Elle trouve son fondement. He has to find his foundation. Dans la parole révélée. In the word of God. Dans la parole révélée. In the revealed word. Qui est le rhéma. Which is a rhéma. Amen. Amen. Et la parole écrite. And the written word. Ça veut dire les promesses qui sont dans la Bible. Meaning the promises that are in the Bible. C'est ça le logos. That is the logos. Alors. So. Quand les deux choses sont réunies, when those two things ça come produit together, le miracle. They produce miracle. Le miracle viendra-t-il seul? And will quelqu'un the miracle come viendra on his own? Et va déclarer. C'est ça la prophétie. Acclame très fort l'Éternel. Elle aura son accomplissement dans la parole and de Dieu. And it will have its accomplishment in the word of God. Jésus. Alléluia. Amen. Parole révélée. The word, the revealed word. Amen. Amen. Le rhéma. The rhéma. Parole écrite dans l'écriture, dans les écritures, the, dans la, les the promesses. Written word that is in the Bible. C'est ça le logos. That is the logos. On doit trouver ce que Dieu t'a dit. We take what God has son told accomplissement you, dans la and find parole. The accomplishment tu in the déclare. Word. You declare it. Amen. Amen. Et les choses peuvent commencer à se mettre and en place. Things will begin to come in place. La foi. Faith. Qui produit. Which produces miracles. Il suffit seulement que tu y crois. And why quand cette parole est relâchée, in this word, tu ne vas pas demander pourquoi c'est tel ou tel qui a relâché la parole. You will not ask why is it that is this other person that ne sommes-nous pas les enfants de Dieu? Ne sommes-nous pas fils du Dieu très haut? Are we not sons of the Most High God? Il a dit dans le Psaume 102. He says in Psalms 102, verse 6, you are God. Vous êtes des dieux. You are God. Alors tel il est, so as tel he is, nous sommes. So are we. Amen. Amen. Alors cette foi, so this faith, penetrates le royaume des impossibilités. The kingdom of impossibilities. Je dis qu'elle pénètre. I say that it penetrates le royaume des impossibilités. Into the kingdom of impossibilities. C'est-à-dire elle met de travers la de revers la doute, elle met de côté les obstacles et les épreuves. It keeps a trial and doubt aside. À l'intérieur. And it goes right inside. Parce que tu es enfant de Dieu. Because you are a child of God. Parce que tu es fils du Dieu très haut. Because you are the son of the Most High God. Toute impossibilité. Je déclare tu as la solution au nom de Jésus. I declare that you have the solution in the name of Jesus. Tu as la solution au nom de Jésus. You have the solution in the name of Jesus. Que peuvent nous faire les hommes? What can man do to us? Est-ce que vous croyez que Dieu dit le dernier mot dans? Do you believe that God has the final say in your life? Dieu n'a pas dit son dernier mot. God has not yet said his. Dieu a dit tu vas te marier. He said you get married. Il suffit seulement. You just need. Dis-toi. To believe. Ne regarde pas ta carapace externe. Don't look at the outside. Dieu a dit. God said. Cette église.
This church. Avant, on disait qu'il n'y avait pas d'hommes et de femmes. Mais Dieu te dit cette église est remplie. But this church shall be full. On ne parle pas au futur. Je dis cette église est remplie au nom de Jésus. The church is filled full in the name cette of Jesus. Église est remplie au nom de this Jésus. This church is filled in the name de of Jesus. En bas, from up right down. Au point où on va commencer à faire des mi-temps, c'est-à-dire des programmes de. Until we start having meet services. Telle personne vient le matin. D'autres viennent prêcher dans some people come in the morning, others in the afternoon. Il suffit seulement d'y croire. You just need to believe. Vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. And you understand something. Ce qui va se passer à la what suite. Will happen then? Amen. Amen. Bien-aimés, brethren, comment développons-nous dans notre foi? How can we develop our faith? La question que nous nous posons. That's the question we are asking. Comment développer ce genre de foi? How can we develop this kind of faith? Afin de la rendre plus active. So that it should be more active. Plus dynamique. So that it should be more dynamic. Amen. Amen. Pour produire. To produce miracles. The divine miracles. Comment rendre cette foi? How can we make this faith? Dynamique. Dynamic. Active. Active. Nous devons passer par deux clés. We need to go through two things. Deux clés, deux grandes solutions. Two key issues, two key solutions in order to have them. La première clé, the first key, consiste à avoir une perception de la chose. Consists in having a perception of the thing. Ça veut dire que cette église doit être remplie. It means that, for example, this church has to be filled. Et dans ta tête, tu vois déjà l'église remplie. And in your mind, you are already seeing the church full. Amen. Amen. Cette perception te donne le miracle. This perception gives you the miracle. J'ai cru que tu allais dire amen. I thought somebody would say amen. J'ai dit que tu as une perception de la chose. The perception of the thing. La première condition, c'est la première clé. That's the first key. Pendant que first tu as condition. Cette perception, why you are having tu vois l'église remplie. You see the church being filled. Tu la vois déjà dans le monde physique et spirituel. You already see it in the physical tu and the spiritual de la matérialiser world. Dans and le then monde you physique. Try to materialize it in the physical world. La and that's how miracles are produced. The perception of the thing. Tu veux être guéri, you will be healed. Touché malade. And you are lying down sick. Leur. You are suffering in pain. Toi en train d'être déjà guéri. But you are beginning to courir, see yourself. You see yourself already running. En train d'être dynamisé. Already en train de venir à l'église. En train de chanter already coming to church and singing praises for the glory of God. Yahweh. Yahweh. Perception. Elle produit le miracle. Produces miracles. Si tu crois. If you believe. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul. Apostle Paul. Aperçut le résultat de notre miracle. Perceived the result of our miracles. Dans cet Hébreu chapitre 11 verset 1. In this Hebrews chapter 11. Alléluia. Verse 1. Il a rendu cela palpable. And he made it. Il a rendu cela visible. He made it visible. Il a rendu cela réel. And he made it real. Amen. Amen. Et l'a amené à la manifestation. And dis brought amen. It into manifestation. Acclame très fort pour l'apôtre Paul. Can you clap for mon souci c'est que je voudrais que tu arrives aussi à cette dimension. I want that you l'apôtre also reach Paul this, est parti. At this tu vas dire, of Apostle moi, Paul. Pasteur à Tangana Michel, say, je vais arriver à cette dimension. Mets ton nom. I will reach this dimension. Il y a des choses que moi j'expérimente. That's what I experience. Alléluia. Je le vois I et puis it, bam, je ramène. And then I bring it. Amen. Amen. Et la chose est manifeste. And then the thing is manifested. C'est comme ça que quand c'est manifeste. That's how when it is manifested. Dieu regarde son peuple. God looks at his people. Il dit j'ai perçu. And he says dans I perceive. Cette église, in this church, que les gens sont très tièdes. That people are very lukewarm. Gens sont très froides. People are cold. Il pleure et dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas galvanisés? Why are you pourquoi not galvanized? Vous n'êtes pas zélé? Why are you not zealous? Alors Dieu te dit, so God is telling qu'il voudrait que tu sois zélé. That he wants you to be zealous. Il voudrait que tu sois zélé pour son service. He wants you to be zealous sois for his service. Sois zélé au nom de Jésus. Be zealous il in the name of Jesus. Très froid. He et is seeing you as tiède. Very cold and lukewarm. Ou froid. Ou froide, il dit je te vomirai. He said either you are cold or lukewarm, I will vomit you. Because I des need people who burn. Dynamic persons. Vigorous persons. Travailleuses. Alléluia. You have working people. Je te dis là où tu es assis. I am telling you si where tu you as are sitting. Une douleur quelque part, if you have any pain mets anywhere. Mets-toi un peu sur tes deux jambes. Just stand up on tu your two feet. Tu as arrivé sentant une douleur. Mets-toi sur tes deux jambes if you si came tu here mal. Feeling any pain essaye in your body. De te secouer. Just stand up et and just try to shake yourself. And tu, even as you are rising, Dieu s'est levé,
Les anges de la guérison se sont levés parce que comme tu t'es levé, tu incarnes la royauté et tu rentres avec ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui es célibataire, you who is a bachelor or a spinster, commence à te comporter comme une femme mariée. Just begin to behave like a married woman. Commence à te comporter comme une femme mariée. Begin to behave like a married woman. Cesse d'être trop fragile. J'aime cette expression, la fragilité. I like this expression, fragility. C'est-à-dire quand tu es fragile, tu peux tomber à tout bout de champ. Ma bishop chérie a dit la dernière fois, tu as les épilepsies. Acclamez très fort pour la bishop. May we clap for our bishop again. Hallelujah. Be blessed. Amen. Amen. Bien-aimés, brethren, le Seigneur voudrait que tu arrives à ce niveau. The Lord would like that you reach this level. Où tu peux avoir une santé ferme. Where you can have a strong health. Une vie épanouie. You can have a fulfilled life. Plein de zèle et de détermination. That is full of zeal and determination. Amen. Amen. Pour son service. For his service. Alléluia. Amen. Oui. Tu yes. peux dire j'ai vu 3000 âmes. You can say I said 3000. 3000 âmes que nous avons pour objectif. We have projected films. Juillet 2019. In July 2019. La perception. Perception. L'église est remplie. But the church is full. Maintenant. Now. On met les stratégies en marche. We put strategies. On se fixe des objectifs. We set strategies and objectives. Les stratégies en marche. And we. Il faut mettre les gens au travail. Pour get évangéliser, évangélise seulement. Évangélise, tout. Évangélise seulement. Prêche la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin que tout le monde travaille. If for us to reach this objective, everybody has to get to work. D'autres partent prêcher. Some are teachers. Others go to preach. Other people encourage. Others make calls. Tout le monde doit mettre sa main dans la pâte. Everybody has to get working. Apporter sa pierre dans l'édifice. And bring his own contribution. Pour atteindre les objectifs, so that we can reach the objective of 3,000 souls by July 2019. Ce que je viens de vous expliquer, what I just explained to you. Is the second key. Ça veut dire tu prépares. It means you préparation prepare, de ton champ. You prepare your field. Préparation de ton champ. You prepare your field. Par les stratégies d'évangélisation. Through la strategies of evangelization. Amen. Amen. Tu vas seulement commencer. On sait la bonne nouvelle. Then you pendant start que to toi qui es venu, tu as été annoncé. On t'a annoncé la bonne nouvelle. You came because somebody announced the good news to you, and you are now a child of God. Amène les autres personnes. So also comme l'arbre généalogique. Like ça va grandir. Je viens. Like a family tree is going to spread. Je viens avec Atangana. Je viens avec Esomba. Esomba vient avec René. Esomba vient encore avec Edouard. Edouard vient avec Stéphane. Stéphane vient avec Cressence. Cressence vient avec Baboke. Baboke vient avec Pasteur Langri. Langri vient avec Mireille. Ainsi de l'arbre généalogique. Bien aimé, on aura même 1 million d'âmes. As the family tree spreads, we have even a million souls. J'ai cru que tu allais dire amen. I thought somebody would say amen. Alléluia. Amen. La perception. Perception. Après la perception. After perception. On prépare notre champ. Then we prepare our field. Le champ de bataille. The field, the battlefield. On prépare le champ, n'est-ce pas? On nettoie les mauvaises herbes. On a déjà des on a déjà des field, we remove the bad herbs. C'est ça qu'on est en train de faire. On That's trouve des âmes. Doing. Maintenant à l'heure when we have converts, now we begin to build them. Royaume. For the avec kingdom. La parole, on with commence word, à les purifier, à les laver. Ils commencent à être débarrassés. Débarrassés de péché, débarrassés, dépouillés, jusqu'à ce qu'ils soient aussi comme toi. They are also just like you. Affermi, sois affermi, quand tu seras affermi, affermi aussi qui when you have been built up, you should also build up your brother. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, brethren, la foi qui produit le miracle. Faith that produces miracles. Nous devons retenir que we have le to don de la know foi that the gift of faith se manifeste dans la vie d'un individu. Manifests itself in the life of an par individual. Par le biais du Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Par le biais du Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Le Saint-Esprit qui t'a permis d'entrer à la quatrième dimension. The Holy Spirit that permitted you to enter into another dimension. Quand tu as eu la conception. When you have the conception. Tu as commencé à, on dit souvent, qu'est-ce que le philosophe dit? À cogiter. Philosopher says you have started cogitating. Qu'est-ce que René Descartes a dit? C'est le cogito ergo sum de René Descartes.
Descartes. Tu commences à accoucher les idées. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? Tu entres à la quatrième dimension au moyen du Saint-Esprit. Enter the fourth dimension in the kingdom of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Il se manifeste donc dans la vie d'un individu au travers du Saint-Esprit. So it is manifested in the life of an individual through the Holy Spirit. C'est une foi spéciale. It is a special way. De façon spéciale. A special faith. Lorsque la bouche de l'Éternel a parlé. And in a special way, the voice of the Lord spoke. And this, de façon spéciale. And this church shall la be filled. Bouche de l'Éternel a parlé. In a special way, the voice of the Lord spoke. And this church shall be filled. Au moins 3000 âmes. At least 3000 souls. D'ici 2 juillet. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois, donne un vareux amen. So if you believe, give a big amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Can you make shouts of joy? Alléluia. Amen. Sois béni. Cette foi spéciale. This special faith. Elle vient dans une église. It comes into a church. Pour édifier les chrétiens. To edify Christians. Elle édifie les chrétiens. It edifies Christians. Elle montre la manifestation. And shows the manifestation. Dans la manifestation. The manifestation. Est accompagnée de bénédictions. Which is accompanied with blessings. La foi ici. The faith est here. Est une capacité surnaturelle. Is a supernatural capacity. Qui fait connaître. That. Ce que Dieu fera. Helps to know what God will do. Ça nous fait connaître. It helps ce que to Dieu know fera. What God will do. Est-ce qu'on a déjà vu cela? Have we ever seen it? Est-ce que vous avez vu? Have you already seen Est-ce it? Est-ce que vous avez vu? Have you seen it? On a vu avec les yeux de l'esprit. We saw it with the eyes of the spirit. Quelqu'un dit amen. May somebody say on amen. On a vu avec les yeux de. We saw with the eyes of the spirit. Bien aimé, quand tu as un problème. Brethren, when you have a problem. Avec les yeux de l'esprit. With the eyes of the spirit. Commence à voir la solution. Just begin to see your solution. Nous passons avec les témoignages bibliques. Now let's dans look at some Samuel, biblical testimonies. 17, in 1 Samuel chapter 17, 58, verse 1 to 58. On nous parle de l'histoire de David et de Goliath. We can read the story of David and Goliath. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Cabine technique. Partie du verset 1, verset 58. From verse 1 l'histoire to 58, de David et the de Goliath. Story of David and Goliath. Bien aimé, brethren, le petit David. The little boy David. Verset 28, oui. Planque là, non, n'enlève pas. Le petit Goliath était le fils du berger petit Isaïe. Little David, the son of a shepherd. Il avait environ entre 10 et 19 ans. He was challenged by Goliath. And adolescent de son état. Around 19 years. Il s'est levé. An adolescent pour of his age. Abattre le héros. He rose up to go and fight Philistins, the hero of the Philistines. Le géant. The le giant. Courageux, the Goliath. Courageous Goliath. Et la tête tuée à l'aide d'une pierre et d'une and fonte. Then he killed him just with a stone. Qu'est-ce from qu'on nous dit au verset 28? What are we told on verse 28? Ici, bien aimé. Vous irez lire à la maison. You go and read at home, brethren. Quand Eli, pardon, David s'est levé. When David rose up. Pour s'avancer vers Goliath. To go towards Goliath. La foule qui l'entourait. The crowd that was around him. Ils étaient pleins d'incrédulité. They were on l'a full découragé. Of they discouraged. C'est comme ça qu'on a aussi ici à l'église. And that's how quand we are on peut prendre quelque chose, il y a des gens qui encouragent, il y en a qui découragent. Mais lui, but il est resté ferme. He stood il a firm. Eu une foi ferme. He had il firm a cru faith, en son Dieu. And he believed in his God. Alléluia. Amen. On pouvait lui dire, toi avec ton orgueil là. So they could have told him, you with that your pride, a small child like you. Il a eu une foi ferme en Dieu. But he had a firm assurance in God. Verset 32. Verse 32. Qu'est-ce qu'il a fait ici? What did he do there? Verset 32. Quand il a vu que ses amis étaient découragés, when David saw that his friends were il discouraging a fait him, la revue des troupes. He, il a encouragé la encouraged troupe. Il a encouragé ces gens. He encouraged these people. Il les a encouragés. He encouraged them à s'engager, to be engaged, à voir la to be committed, foi, to see, à regarder ensemble vers la même direction. To have faith and to look avoir together towards the same esprit, direction, have the same spirit. Obtenir des miracles. In order to obtain c'est miracles. Aussi it que is, nous aussi nous vous encourageons. That's also how we are dans encouraging you in this objective. De 3000 âmes. That we wish to reach 3000 souls. À ne point vous décourager. Don't be malgré discouraged. Le poids du travail. No matter the avoir weight la même of vision. Your work, à être dans le même esprit, have the same vision à travailler and be the same en collaboration, work à in collaboration, avoir l'esprit d'équipe, and have a afin que nous puissions réussir, so afin de pouvoir vaincre les ennemis, can, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au verset
38. Amen. Amen. Au verset 33 à 37. From verse 33 to 37. 33-37. Verse 33 Saül, to 37. Le Saül, the king Saul. Lui, il est venu se dresser devant David. He came before David. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? And he said, what do you want to pour do? Pour constituer une barrière. So that we can help nous him. Avons aussi les Sambala. We also have nous Sambalas. Avons aussi les Tobija. We also have Tobijas. Les ennemis de l'œuvre. The enemies of the world. Que tous les ennemis de l'œuvre des Tambala, les Sambala et les Tobijas. May all the Sambalas and the Tobijas fall in the name of Jesus. Je dis qu'ils sont confus au nom de Jésus. They are confused in the name of Jesus. L'œuvre de Dieu va avancer. The work of God shall move forward. Without them, we are going to reach in the name of Jesus. Alleluia. Amen. Bien-aimés. Brethren, au verset 38, verse 38, nous voyons quelque chose qui se passe. We see something happening. On vient avec les armures, on vient avec they brought des carapaces, des javelots pour donner à David. Javelots and bien aimé, la leçon spears. Que nous devons retirer ici, the c'est que we dans have la to foi, that in faith, nous ne devons pas mélanger la coutume et la tradition. We don't have to mix cultures quand tu es des enfants de Dieu, what ne mélange pas la God. Coutume et la when tradition we have faith in God, we don't mix culture à la parole and tradition de Dieu. To the word of God. La parole de Dieu est oui et amen. The word of God is yes and poser amen. Une question. I want to ask you a question. En quoi est-ce que tu as mis ta foi? What have you put en your faith in? En la tradition, have you put your faith in customs or tradition? In tu a man? Mis ta confiance en qui? In whom have you put your trust? La foi qui produit le miracle. The faith that produces miracles is based on the acclame word of fort, God. Jésus. Can you clap for Jesus? Jean chapitre 1 verset 1. John chapter 1 verse verset 45. Verse qu'est-ce 14, que Goliath, five? David répond? Il dit, tu viens avec contre moi. Avec des lances. Et des, il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. You come with your weapons. Que ce I come soit ta prière, bien-aimé. You in the face name of the danger, Lord of hosts. Face à l'ennemi. Face to any dis danger, que je combats enemy. Avec toi au nom de l'Éternel. I come against you in the name of the Lord of hosts. Je t'abattrai. Je couperai ta tête et je la donnerai à les Philistins. Cut your head and I will give it to the Philistines. Tous tes ennemis de la destinée. All the, your enemies. Je déclare au nom de Jésus. I declare in the name que of Jesus. Que la tête soit coupée. That they are, et soit donnée à leurs ennemis. Au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui ont promis te faire de mal. Que ce mal leur revienne. Au centuple. Avec de multiples dégâts. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es l'enfant de la destinée. That's the alléluia. Amen. Tous ceux qui en veulent à ta vie. Those who are against your life shall be confused. La prière de la foi a donné la victoire à David. The prayer of faith gave victory to David and the entire Israel. Brethren, la foi agissante. The acting faith. La foi spéciale. Special qui faith. Produit des miracles. That produces miracles. Te permet de faire confiance à Dieu. Permits you to trust God. De croire en lui. To believe in him. D'agir promptement. And to act promptly. Selon sa parole. According to his word. De l'expérimenter. And to experience him. De persévérer. To persevere. De persévérer. To persevere. D'impacter. To impact. Alléluia. Amen. Le deuxième témoignage. The second testimony. Est basé sur Daniel chapitre 3. Is in the book of Daniel chapter 3. Verset 13 à 30. From verse 13 to 13. Amen. Nous n'allons pas lire. We are on not going to read. Nous sommes en train de clôturer. We are towards the end of. C'est l'histoire de Daniel. It's a story of de David. Daniel. Allez, c'est Daniel. L'histoire de Daniel. Yeah, it's a story of Daniel. De Shadrach. Shadrach. Et d'Abednego. And Abednego. À la fournaise ardente. They were in the burning furnace. Ils ont refusé de croire au statut de Nebuchadnezzar. They refused to believe in Nebuchadnezzar's statues. De se prosterner devant les idoles. Neither to bow before his gods. De ne pas à pratiquer l'idolâtrie. They refused to practice mais ils idolatry. Ont cru en un Dieu tout puissant. But they believed in their Almighty le God. Le Dieu de gloire. The God of qui glory. Qui est capable de changer ta destinée. Who is able to change destinies. Pendant qu'on les a mis dans la fournaise. And while they were put in the furnace. L'Éternel qui est Dieu. The Lord who is God. Qui répond par le feu, who answers by fire, et on les a mis dans le feu, and they were put in fire. Ils ont oublié que notre Dieu est un Dieu qui répond par le they feu. They forgot that our God is a God that answers by fire. He sent an angel. La quatrième personne. That is the fourth person. Parce que la quatrième personne symbolise l'ange. The fourth person symbolizes angels. Qui commençait à entourer ses enfants. And he est-ce qu'on peut pas brûler notre feu? Est-ce qu'on peut pas brûler notre feu? Can we can fire burn in fire? Can et fire y a que burn le feu dévorera
peut brûler les petits. It's only the devouring fire that can burn the small fires. Le feu dévorant a brûlé les petits. The devouring fire burned the small fire. Et le roi Nebuchadnezzar, bien aimé, and King Nebuchadnezzar, il a été ému. Brethren, he was touched. Il a été stupéfait. He was stupefied. And to see the things that were happening in the burning furnace. Yet, I burnt it so pourquoi hot. Les gens là ne sont-ils pas why morts? Are those people not dead? Bien aimé, je vais te dire. Brethren, I'm going to tell you something. Si tu t'attaches à Dieu, if you cling to si God, tu as cette foi dynamique puissante, if you have this dynamic, powerful cette foi faith, qui ne chancelle this foi, faith that does not shake, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Just like Shadrach, Meshach and Abednego. Alléluia. Amen. Comme Daniel. Just like Daniel. Et Moïse. With Moses. On voit même les Wongishos. We can also les see Kenneth the Wongishos, Kenneth and other ont men marché of God dans la foi. They walked in ils faith. Ils n'ont pas chancelé. They did not ils ont mis confiance fall en Dieu. They did not stumble. Ils ont they trusted in God. They believed toi, tu as in Jesus. En Jésus. And if you have je believed veux te in dire Jesus, que tu es inébranlable. I want to say tu that you are untouchable. You are untouchable. You are untouchable. Toucher Dieu. Anybody qui that touches you has touched God. Face à face. Anybody et that touches brûle you au nom de Jésus. Will be burned. Qu'il soit dans la honte et dans la confusion. They will be in confusion juste in de and toi shame. Ne baissez pas les bras. Do not be discouraged. Quel que soit ce que vous êtes en train de no matter what you're going through. Nous devons faire développer notre foi. We need to develop our faith. Afin qu'elle déplace les montagnes. So that it can move mountains. Qu'elle déplace les montagnes. It can move mountains. Et que les enfers soient tremblés. And that the hell will be shaken. Tremblés. So that hell quand ils sont tremblés, on and, les vide. And when it is shaking, et on les ramène dans la bergerie. We empty them, eat, and we on dépeuple l'enfer. Into on dépeuple les ténèbres. The, on amène les âmes dans la maison du Fils de Dieu. Darkness, and we bring le them into the house of the Lord, Son of pour God, recevoir la pâte. To receive the pour être épuré. To be pour être sanctifié. To be sanctified. Alléluia. Amen. Pour marcher dans l'amour. To walk pour in marcher love dans le pardon. To walk in pour être réconcilié. To be et pour marcher dans la sanctification. To walk in sanctification. Quand tu as toutes ces choses, when you have all these things, Dieu t'accorde la vie éternelle. God gives you eternal est-ce que tu life peux acclamer Jésus? Can you clap est-ce for Jesus? Peut se mettre debout? Can we rise up? On va faire une proclamation dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 8. We are going to nous make allons ouvrir nos bibles. Si tu es attaché à Christ, tu dois pouvoir méditer sa parole. So if you tu dois pouvoir Jesus, lire sa parole. You need to qu'est-ce que Jude, chapitre 1, verset 8 nous dit? What does Joshua, chapter 1, verse 8 say? Que ce livre, allons-y. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce qu'on t'a dit de t'attacher à un homme? On t'a dit de t'attacher à une religion, à une coutume, à une tradition? Que le livre de la loi, may this word of the law, qui est ici de façon soft, which is here in the soft point copy, de ta bouche. May it never amen be far from your mouth. Marche avec ta Bible. Walk with your Bible. Médite la Bible. Medite on it. Amen. Meditate on it. Amen. Parle de cette Bible aux gens speak qui ne connaissent about pas this Jésus. Bible to others Jésus who don't know c'est Jesus. Ça. Parole. Jesus que cette parole te word purifie, qu'elle te sanctifie, qu'elle te lève, qu'elle te régénère, qu'elle te régénère. Au nom de Jésus. Soyons bénis dans le nom be de Jésus. Et que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. And the Lord amen bless this word in your hearts. Amen. 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 Est-ce que maman peut venir pour clôturer, appeler les hommes et prier rapide, prière finale. Merci. Can mommy come for? Soyez bénis.